De l'écoute, du réconfort, voilà ce qu'attendent les patients de l'unité Édouard Zarifian, ouverte depuis le 5 octobre dernier. Un soutien au cœur des préoccupations de l'encadrement, privilégiant les activités relationnelles pour une meilleure réinsertion de ces malades. Les patients ont besoin d'avoir beaucoup d'entretiens avec l'équipe médicale et l'équipe soignante, ce qui explique qu'ils ont besoin aussi de pouvoir être hospitalisés pendant une vingtaine de jours ou une trentaine de jours. Avec 33 places disponibles, ce bâtiment moderne et chaleureux offre une sécurité de tous les instants qui permet à ces personnes hospitalisées de déambuler en toute liberté dans son enceinte, une autonomie et un bien-être à la base des soins psychiatriques, tout comme le préconisait Édouard Zarifian. C'est un chercheur, c'est quelqu'un qui a défendu des options très courageuses au sein de l'université et il a développé une conception de la psychiatrie qui est la nôtre, qui se veut être une conception ouverte, protégeant les libertés et apportant aux patients et à leurs familles des soins que nous espérons à la hauteur de nos moyens aujourd'hui. Un bel hommage au psychiatre décédé en 2007 qui a inspiré beaucoup d'infirmiers, aides-soignantes ou encore psychologues travaillant sur le site.